Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Mort du Covid. Je ne sais pas vous, mais je souffre depuis que je pue le dread bite le monde. Bite. Touché, on dit en français. Ben, je ne bite plus personne à part ma coiffe, bien sûr, et mes éléphants, essentiellement. Mais comment me récoutrier au monde? Comment me récoutrier les paysans ou les copains, puisqu'on ne peut plus serrer la pogne ni se biser? On ne peut même plus s'engueuler, puisqu'il faut mettre le masque. Va-t'en tes brères ou chez un masque, là. Oh, quelle mascarade. Mort du Covid. Vert. J'en plus le droit de se biter, de se tournicher. Mais je songe les jeunes. Comment qu'ils vont faire pour s'amouracher? Les putations d'aller border, puisque... ils ont interdit les danseries. Ils n'ont même plus le trait d'aller bère des boleilles dans le café puisqu'ils sont clos. Oh, mais comment que j'allons faire? Tu que j'allons venir? J'allons tout comme pas passer notre temps à regarder le monde à la télé. Maudit Covid. De pays tout garçaille. J'aurais été toté, j'aurais été bisé, j'aurais été chéri. J'en ai eu des chatouilles. Quand on a le chat à grand-mère, il fallait vers les bras cette garçaille qu'on avait sous les genoux. On s'en frottait. Donc... ah, ver. Pour se biter, on s'en bitait. Hein. Et quand on avait fait une bêtise, les parents t'ont veillé une mâchoire. Ah, ver, une bonne volée. C'était pas question de s'inquiéter si les mains te désinfectaient. Donne-nous là. C'était pas longtemps avant d'être failli. Ouais. Et à ce tour-ci, les garçons, ils sont bénaises, puisque j'en plus le droit de l'imiter. C'est éventuellement mieux pour certains. Quand on veut tous les abus, là, oh. Ouais, maudit Covid. Mais alors, le problème des gamins, des garçons, là, c'est qu'ils peuvent plus jouer à bite. Nous, quand on était à l'école, pendant la récréation, on jouait à bite, bite. Lui qui était bité, devait courir après les autres garçons, pour en biter un. Et celui qui était bité, devait courir à son tour pour en biter un autre. Bite. Vermeil. Je tiens loin de songer qu'en français, le mot-là avait un autre sens. On ne veut pas étudier avec Sir Antoinette, le mot-là. Je ne sais pas que l'instituteur a interdit le mot « bite » dans la cour des écoles, quelque temps plus tard. Mais t'as vu qu'il avait les idées mal placées. Mais ici, comment qu'on se mettait à jouer à « bite » ? Si t'es au théorie de la classe, on se regroupait à deux ou trois. Bon allez, on joue à « bite » ? Oh, vert, j'allons jouer à « bite », vert. Vermeil. Faillir recruter du monde pour que la biterie en vaille le coup. Tous les garçons n'étaient pas décidés. Hein. Oh, Nouna, t'en avais qui s'étaient mains à jouer les canettes pour que les calots. Les filles, elles sautaient à la corde ou à l'élastique, ou se donnaient le tour et cabinet en se gardant la porte qui n'avait pas de lotcher. Eh ben. Alors. Oh, les deux ou trois copains, là, qu'on était, on se mettait bras dessus, bras dessous, et on marchait de front, même, tout en s'écarcueillant. Qui veut jouer à bite? Qui veut jouer à bite? Hein? Et petit à petit, les élèves s'amenaient côté de nous. Ils s'attelaient à notre rangée, là, et on faisait des allers-retours, de même, d'un bout de l'autre de la cour, tout en huchant. Tu qui veux jouer à bite? Ouais. Les gars qui jouaient à la canette et les filles qui sortaient des cabinets, eh ben, ils venaient au nous, sur la ligne de lève, qui prenaient corps plus fort de pièces. Eh ben, du coup, les filles qui étaient à sauter à la corde devaient se ranger pour nous laisser passer.
les filles, t'as moins porté sur la biterie, là. Ben, ah oui, certaines, pas de question de débiter. Hein. Faut dire qu'il y a des gars qui avaient la main courouse. Ben, t'avais des maudits bitous. C'était souvent hors jeu, d'ailleurs, qu'ils essayaient de biter les filles. Sans qu'on soit d'assent. Ah. D'ailleurs, mais la mode t'es pas à la balance ton pourcet. Mais revenons à la cour des écoles. On continue à chanter en chœur. Qui veut jouer un beat? Et au bout d'un moment, on arrivait comme ça à rallier quasiment tous les garçons. Oh, fallait vraiment filer à manger. Oh, la cour n'était plus assez large. Deux lignées de front se formaient l'une derrière l'autre. Et tous les élèves se barriaient. Qui veut jouer à beat? Ah, ah. Vermeil, nul ne songeait à jouer à beat à ce tour-ci, entraîné dans une transe collective. Dis qu'au moment où Sœur Antoinette, une grande bitch sèche comme un collier d'échalote, au tiré sur la chaîne de la cloche pour sonner la fin de la récré. Oh, on n'avait pas joué à bite, mais pas chouette. On s'était tous bités les uns les autres, bras dessus, bras dessous. C'était bon. Mais allez jouer à bite à ce tour-ci dans les écoles. Tu qui dirais à Blanquer, là, le ministre. Ah, et des coupes à finir au cachot. Au collège, il était plus de gestion de biterie. Ben, mais je vais vous dire que ça me manquait. Ben, ça m'est resté. Et pour là que je cause quoi du temps où on jouait à bite. Mais la première fois que j'ai bité une fille, c'était Béatrice, la fille du pharmacien. Était blanche comme un cachet d'aspirine, mais son sourire me mettait en effervescence. Un jour, je l'ai entraîné quand elle m'est. Mais attendons quand elle m'est que j'ai dit, j'en ai roué un André pour nous annuger. J'en jetais dans le bourg, un coin romantique, et j'en étais roué, hein. Ben, oh, j'ai dit, oh, tout comme bien la brousse derrière un nez, contre le mur de l'ossuaire du cimetière. Oh, ben. Mais je t'ai pas déjà dégourdi. Tu te là où ma boudette. Et puis j'ai eu souvenance que j'avais des guénaux dans ma poche. J'y ai donné une sucette. Une sucette à la fraise. À ma boudette. Mais je ne savais pas te les dire. Je ne savais pas te faire. Je l'ai regardé. Lui fait sa sucette de même. Comme elle est chouébie. Et tout à coup, j'ai eu envie de biter Béatrice. Vers, parce que elle était nette boudette et puis j'étais à moitié ça. Je ne sais pas si c'est le bon sentiment de sa sucette à la fraise ou bien de vers ses bouclettes de cheveux qui lui caressent la nuque, mais j'avais envie de lui biter la jambe, lui biter son cœur, lui biter ses bras. Ça me menait. Oh. Bon, tu confies à ce tour, comme demande Béatrice. Las de stairway là contre le mur de l'ossuaire. Mais comme un grand dio, je lui ai dit, ben, si on jouait à bite, tu dis? Je ne pouvais plus rien dire. J'étais rouge comme sa sucette à la fraise. Mais j'ai tout comme été asserdi pour rapprocher ma main de sa joue. Et j'ai eu le temps de me rendre compte qu'elle était douce comme la piaule d'une pêche. Et paf! Je me séparais une manche foirée. Oh, la calotte! Madame, c'était une fille qui avait la pêche, hein? Oh, ya, 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 ya! À vous dégoûter de buter une fille! Frère! Ah, c'était avant, bien avant le Covid!
Maudicovite. Vert, je sais ma dans ma pio, depuis que qu'on ne peut plus biter, qu'on n'a plus le dré. Qu'on n'a plus le dré de senteur vert à plus de 6. Et à force de me tautiller là, de gel hydroalcoolique, je passe mon temps à mernier, tellement ça me démange, ça me gratte la piao. Comme la femme de notre ancien boucher qu'on nommait Gratte Puciao. Quand t'arrives dans sa boutique, on te demandait « Madame, c'est que je vous sers ? Ma saucisse est fraîche de matin, qu'on disait. » Vert, on avait le droit de se gratter les fesses devant le monde dans le temps-là. Quelle affaire. Mais comment vivre sans pouvoir s'en biter ? Maudicovite. Bon, il y a du bon, tout comme pour les enfants et les femmes qui se faisaient biter par des maudits portiaux, là. Il y a eu qu'on balance à ce tour-ci. C'est-il pas le moment de changer le monde ? De balancer pour de bon tous ces portiaux, là ? Ces maudits bitous ? Vert, balance ton bitou !